Donc je passe tout de suite la parole à notre premier intervenant de l'après-midi, que nous avons écouté pour ses judicieuses questions ce matin, Serge Lemaître, docteur en archéologie, conservateur des collections Amérique des musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles, qui va donc nous présenter ce travail sur une célèbre momie des musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles sous la loupe. Il va être aussi question de bande dessinée, mais je te laisse nous présenter ces momies. Oui, donc bonjour, merci d'être présent. J'ai la lourde tâche de vous maintenir éveillé après ce repas. Donc, voici l'autre titre qui est Raskar Capac, puisque comme ça, on dévoile tout de suite qui est cette momie célèbre. C'est donc celle qui a inspiré Hergé pour faire Raskar Capac. Et je voulais d'abord remercier aussi Leran, Arkham et Marc Azema, qui est grand fan de bande dessinée et qui m'a donc demandé aussi de présenter ses recherches. Donc, je vais parler d'imagerie, mais c'est vrai que je vais parler aussi et surtout des momies. Alors, j'ai créé un projet de recherche, je vais aller assez vite là-dessus, mais il se fait que j'ai pris la succession au Musée royal d'art et d'histoire en 2014, et je me suis rendu compte qu'en réalité, outre la momie que vous voyez au centre, à M5-1939, nous avions d'autres momies, et personne ne s'y était intéressé au préalable, or, elles sont là depuis 1841. Donc ça fait quand même un petit moment qu'elles étaient au musée, mais ayant une succession de conservateurs, étant plutôt historien de l'art, bien, les momies étaient un petit peu éloignées de leurs préoccupations, ce qui fait que personne ne les avait étudiées. Or, la momie, donc 5934, qui aspire à Hergé, a pour moi trois vies, et ces trois vies méritaient d'être connues. Donc la première vie, c'est celle évidemment de l'être humain en tant que tel. Voilà, il a forcément un vécu, qui sait. Il y a la vie en tant que, si je puis dire entre guillemets, objet de musée, puisqu'elle est exposée en continu depuis 1912, donc ça fait il y a plus de 100 ans d'exposition, et il y a donc une vie à ce niveau-là. Et puis évidemment, il a eu une troisième vie, qui est celle via les œuvres d'Hergé, et notamment cette boule de cristal où il apparaît. Alors vous voyez donc les autres restes momifiés. Alors vous voyez qu'il y a à la fois des momies, que l'on voit bien, et alors il y a 5935 et 5934 qui sont des ballots funéraires. Il faut savoir qu'à l'époque précolombienne, on emballait toujours les momies, on emballait toujours les corps, et puis elles sont devenues momies, et donc on a des couches de textiles normalement. Donc les momies que vous voyez déshabillées, c'est parce qu'en fait, les textiles avaient une valeur archéologique, mais surtout une valeur mercantile, et ont donc été arrachés et vendus. Donc nous avons normalement toujours des fardeaux, ce qu'on appelle des ballots funéraires. Et donc actuellement, on a changé l'opinion et la pratique archéologique qui est de ne plus déballer ces ballots funéraires et d'y accéder par l'imagerie, notamment ici par l'imagerie médicale, les CT scans. J'y passe très rapidement. Donc, il y a une véritable confusion. Donc, on ne sait pas d'où viennent ces momies exactement, parce qu'au départ, ces momies sont arrivées entre 1841 et 1846, non pas au musée d'art et d'histoire, mais au musée d'histoire naturelle. Et donc, il y a eu un mouvement, un rapatriement vers le musée d'art et d'histoire au début du XXe siècle. Et malheureusement, on a perdu des archives dans le mouvement, suite aussi aux deux guerres où il y a eu des incendies qui ont brûlé une partie des archives. Donc, on ne sait plus exactement qui a apporté quoi et donc qui est le responsable en somme de l'apport de ces momies au musée en Belgique. Donc tout ce que l'on peut savoir, c'est qu'en fait il y a trois zones d'origine. Il y a le Cerro de Pasco qui se trouve un peu au nord de Lima. Vous avez le site de Pachacama qui est le grand site cérémoniel au sud de Lima. Et alors la région d'Arica. La région d'Arica qui se trouve donc à l'extrémité nord du désert d'Atacama, qui est le désert le plus sec et le plus aride au monde, puisqu'il pleut à peu près entre 1 et 10 mm par an, ce qui est vraiment très peu, et qui a ajouté pour nous de la confusion, parce qu'en réalité, cette zone d'Arica a été disputée pendant très longtemps comme étant soit un point d'accès pour la Bolivie, un point d'accès sur l'océan, a été aussi un territoire qui a été l'objet de différentes guerres avec le Pérou pour prendre possession de ces territoires. Et pour finir, ça appartient au Chili. Or, lorsque la momie arrive chez nous, eh bien, cette momie
était dans le régime politique péruvien, et donc elle est indiquée comme d'origine péruvienne. Or, elle vient en réalité du nord du Chili. Donc, nous avons fait des scans, des CT scans médicaux à double énergie qui donnent vraiment un rendu exceptionnel qui nous permettent de rentrer à la fois dans les ballots funéraires et dans les corps, comme vous le verrez dans un instant. Quel est l'avantage pour nous ? Ben, c'est que sans déballer ces ballots funéraires, eh bien, on peut obtenir une vision parfaite de ces corps, mais aussi prendre les mesures parfaites et nécessaires qui vont nous permettre de déterminer différents éléments importants pour déterminer qui est qui, quel est l'âge, quelle est la stature, quel est le sexe de l'individu. Je vais très vite, hein, comme vous voyez. Donc on a fait les choses habituelles dans des études anthropologiques, l'examen macroscopique externe qui permet de prendre les mesures sur les os lorsque c'était possible, mais on n'a pas un accès direct aux os. Donc on prend des mesures à ce moment-là sur l'imagerie CT scan et on peut à ce moment-là aussi acquérir aussi des données que l'on ne voit pas à l'œil nu qui sont des dégradations par exemple des os ou ce genre de choses. Voilà, j'accélère. Voilà, donc pour vous montrer un exemple, voici le ballot funéraire 5934. Et lorsqu'on le déshabille, en quelque sorte, mais virtuellement, on obtient ceci, donc les os qui vont nous permettre, grâce aux différents softwares disponibles, de les mesurer, de prendre différentes mesures aussi d'usure sur les dents, les sutures crâniennes qui vont nous permettre de déterminer l'âge, le sexe, l'âge au décès évidemment, et le sexe, ainsi que le différentes structures qui vont nous permettre de donner la stature, mais l'état aussi de santé de ces individus. Voici une autre vue du ballot funéraire, et donc on a pu aussi voir que le corps était encore en parfaite connexion, ce qui nous permet de savoir que, évidemment, le corps qui est à l'intérieur est véritablement sur l'état de momie, non pas sur l'état de squelette. Il existe des ballots funéraires où la momie est en mauvais état, elle s'effondre sur elle-même. Ici, on voit qu'il y a encore les connexions anatomiques. Et on voit les positions aussi des cordes. Et ce qu'on ne voit pas bien, mais croyez-moi, il y a sur le côté gauche, il y a un bout de bois. En fait, ces bouts de bois permettaient aussi de maintenir le corps dans ce ballot funéraire. Symboliquement, le ballot funéraire est en fait une manière d'avoir une sorte de haricot. C'est comme ça qu'ils appellent ça eux-mêmes, une sorte de fève qui est censée regermer. Et donc, il faut lui garder cet aspect. Et donc, on utilisait différents éléments, notamment les cordes pour serrer les corps, mais aussi des bouts de bois qui vont permettre de fixer ces corps et leur donner cet aspect donc de ballot funéraire. C'est véritablement important puisqu'il existe des fêtes des morts et les corps sont parfois des personnes importantes, ces corps sont parfois mis lors de certaines processions dans le village, on les ressort et on peut les déplacer dans le village. Pardon. Un petit tableau qui vous montre l'estimation de l'âge au décès, du sexe, de la stature, qui a été réalisé pour les différents individus. Et vous voyez qu'un ballot funéraire montre que la personne avait environ une vingtaine d'années, tandis que 5935 est un adulte âgé. Et là, on a pu le voir aussi, car cette personne avait perdu totalement ses dents, mais il y avait eu aussi une abrasion et la mâchoire était. Les alvéoles dentaires étaient reformées. Et donc, comme vous le voyez, Raskar Kapak est donc bien un homme. Et on a pu, si je puis dire, s'amuser à faire une comparaison. Donc en anthropologie, on mesure certains os, comme le fémur par exemple, et il existe tous des systèmes de calcul qui permettent d'estimer la stature générale, et on obtenait entre 1,50 m et 1,55 m. L'avantage de l'informatique et de l'imagerie CT scan, c'est qu'on peut s'amuser, si je puis dire, à le dérouler, à le remettre en position étendue, ce qui nous a permis de vérifier qu'il faisait effectivement 152,3 cm. Voilà, d'un point de vue anthropologique, on a trouvé pas mal de choses aussi, des choses qui sont visibles. Donc, vous voyez qu'il y a des porosités qui se marquent au niveau du visage d'un des enfants et qui montrent clairement qu'il avait
une baisse de vitamine, vitamine C notamment, et ce qui fait qu'il était atteint du scorbut. On voit aussi ce qu'on appelle, et donc ça qui sont bien visibles en radio, mais qui sont très visibles aussi en CT scan. Vous voyez des fines lignes, donc, où il y a les petites flèches, sont des lignes blanches, qui sont en fait des stries qui traversent l'os et qui sont en fait qui correspondent à des arrêts transitoires de la croissance. Donc, lorsque vous avez une période de famine ou en tout cas de stress alimentaire, vous allez avoir un retard de croissance qui va se marquer par une stagnation de la croissance et marquer ces lignes assez fortement. Faut savoir que c'est pas grave, en quelque sorte. Beaucoup de gens ont ça. La plupart des Européens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale ont ces lignes de Harris. Et donc, c'est quelque chose qui se trouve dans à peu près toutes les populations. Nous avons aussi pu voir les déformations crâniennes. Donc, c'est une pratique très, très importante dans les Andes, la déformation crânienne, qui peut toucher, à l'époque, un cas essentiellement la classe sociale la plus élevée, mais qui, à d'autres époques, pouvait marquer à peu près l'ensemble de la population. J'en profite pour vous montrer. Donc, en haut, vous voyez la déformation crânienne avec la suture principale du sommet qui est légèrement enfoncée. Et dans l'image du dessous, vous voyez encore donc, les résidus du cerveau qui se trouvent en place, ce qui est contrairement aux momies égyptiennes, notamment, où on enlevait le cerveau majoritairement. Ici, ce n'est pas le cas. On n'enlève pas le cerveau. La plupart des momies dans les Andes sont entre l'artificiel et le naturel. C'est-à-dire que de manière artificielle, on va souvent faire une incision abdominale pour enlever le gros des organes abdominaux, mais la dessiccation se fait de manière naturelle. Il n'y a pas une volonté véritable de préserver le corps en le maintenant avec du natron ou d'autres choses. Bon, ça, je vous passe comme ça les datations. Alors, on s'est aussi amusé à faire des analyses toxicologiques, puisqu'il faut savoir que si vous consommez des drogues, ça se marque très fort dans votre corps et ça reste dans vos cheveux. Donc, si on analyse, si vous avez fumé un joint aujourd'hui, a priori, dans vos cheveux, dans 6 mois, je le verrai. Donc, c'est ce qu'on a voulu tester, c'est savoir si on peut retrouver dans les cheveux des différentes momies l'usage de psychotropes en général. Et on pense tout de suite à la feuille de coca, la coca qui est consommée de manière très régulière, soit pour supporter l'altitude, soit pour supporter l'effort physique. Alors, à notre grande surprise, je ne sais pas si c'est... Alors, on a fait deux types de prélèvements. On a fait ce qu'on appelle le vrac, c'est-à-dire que les cheveux sont trop courts, donc on prend un tas de cheveux et on fait l'analyse. Et lorsque les cheveux étaient plus longs, on a pu faire du séquençage, ce qui nous a permis, puisque vos cheveux ont une croissance régulière au fur et à mesure des mois, eh bien de savoir si vous avez consommé et surtout à quelle époque ou si c'est en continu. Donc ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est la cocaïne et la norcocaïne et la benzocognine, qui sont les éléments de dégradation de la coca, chez tout le monde, et ce y compris chez l'enfant de 2 ans et demi. Or, chez l'enfant de 2 ans et demi, ce n'est pas la même dégradation qui se retrouve, mais une dégradation secondaire, c'est-à-dire qu'en fait, il a obtenu les résidus de coca via le lait maternel, et donc sa mère consommait la coca à ce moment-là. Alors, vous voyez aussi qu'il y a la nicotine et la caféine qui sont consommées, non pas qui consommaient du café ou la nicotine, mais ce sont des plantes qui contiennent la nicotine. Par exemple, l'aubergine. Si vous consommez les feuilles, l'aubergine a été un nicotinacée, donc il y a des résidus de nicotine. Alors, pour vous continuer, ça va vous maintenir réveillé puisque vous venez de manger. On a fait aussi l'archéo-entomologie funéraire. Et cette archéo-entomologie funéraire a 3 intérêts. Un, c'est de savoir quel est l'état de conservation de ces momies, puisque vous savez que dans un musée, parfois, malheureusement, il y a des insectes qui viennent attaquer les corps. 2, ce qui nous intéressait de savoir, c'est de manière parasitologique, est-ce que ces individus étaient parasités par des insectes. Enfin, ce qui nous paraissait, nous, le plus important, c'était la décomposition du corps, en combien de stades ça se faisait, et surtout estimer le temps entre la mort et le fait que le corps n'était plus accessible aux insectes. Alors, en première illustration, vous voyez que l'enfant qui était scorbutique n'a vraiment pas de chance parce qu'en plus, il avait plein de poux.
sur la tête, qu'on a trouvé sous différents niveaux. Donc vous voyez les poux, donc qui sont faits ici en MEB, en mêlée. Oui, musée. Voilà, c'est un microscope électronique. Il nous a permis de voir aussi les œufs. Et comme vous voyez, il y a des œufs qui sont ouverts, mais aussi il y a des œufs avec encore la petite capsule qui montre qu'il est mort et que le poux n'est pas sorti en fait de sa lente pour se reproduire. Alors, on a eu la chance de voir qu'en fait, aussi à l'image CT scan, eh bien, il y avait des zones qu'on ne comprenait pas très bien. Et pour finir, on a pu mieux les comprendre, c'est-à-dire qu'il y avait une infestation d'insectes à ces endroits-là qui avaient laissé des dépôts. C'est là que ça devient gore. Donc, comme vous le savez certainement, lorsqu'on décède, en fait, dans les 2 heures, commence l'infestation de votre corps par les différents parasites. Et vont venir essentiellement d'abord les mouches, comme vous avez l'exemple ici, vous avez essayé les horribles mouches vertes ou bleutées, qui vont en fait non pas du tout vous manger, mais vont venir pondre, puisque vous avez un corps chaud et humide qui va permettre la ponte et aussi le développement des larves. Et donc on retrouve en fait tous ces stades, on retrouve à la fois parfois des mouches, mais on retrouve les œufs, et on retrouve aussi les petites larves qui vont elles-mêmes se transformer en pupes avant de devenir des mouches. Et on trouve effectivement tous ces stades qui sont bien conservés grâce à la déshydratation du corps, évidemment, mais aussi donc, aux conditions de préservation interne au corps. Alors, on a ce qu'on appelle des escouades. En fonction de la durée du temps que vous êtes disponible, si je puis dire, pour la microfaune, on peut estimer le temps, puisque d'abord, il va y avoir les mouches qui vont pondre, il va y avoir les larves des mouches qui vont se transformer en pupes, et puis alors, vous allez avoir des insectes différents, qui sont eux des coléoptères, le ténébrion ou le petit nidé, qui sont des coléoptères qui vont se nourrir des œufs ou des larves des mouches. Alors nous, ça a été très intéressant pour nous, puisqu'on a trouvé dans 2 corps des ténébrions et des petits nidés, ce qui fait que l'on sait que le corps était disponible au moins 3 semaines après le décès de la personne. Or, ça nous renseigne sur des choses, puisque l'on sait, puisque les Espagnols sont arrivés, comme vous le savez, dans les Andes, et ont pu jouer un rôle ethnographique aussi auprès des populations incas, mais de savoir qu'effectivement, pour certaines personnes, la préparation du corps pouvait être très longue. À partir du moment où la personne était décédée, il y avait un nettoyage, il fallait que les os, enfin, les membres redeviennent flexibles pour pouvoir les enserrer et pouvoir mettre les différentes couches de textile, ce qui fait qu'effectivement, on avait parfois des délais entre 15 et 3 semaines avant que le corps ne soit mis en terre. Donc on joue un peu aux experts à Miami, mais il y a longtemps, quoi. Alors voilà, Raskar, voici, ça c'est une image en 1926 où il est exposé. Il y avait une grosse rétrospective sur l'art précolombien déjà en 1926, et il était déjà présent. Et vous voyez que dans les années 30, en fait, Hergé, que vous voyez en bas, avec son ami Chang qui est celui que vous retrouvez dans Tintin au Tibet, fréquentait notre musée, donc c'est l'arche du parc du cinquantenaire, et a, en 1941, publié dans Le Soir les premières planches en noir et blanc, et c'est l'image que vous avez donc tout à fait à gauche, parce que lorsque vous voyez la momie, si vous avez l'album Les 7 boules de cristal en couleur chez vous, bien, vous ne voyez pas tellement la ressemblance avec la momie de chez nous. Or, il faut savoir qu'en 1941, lorsqu'elle est d'abord publiée, effectivement, elle est chauve, elle n'a pas les mêmes attributs. C'est dans la version colorisée qu'il va rajouter des choses, et notamment la couronne avec le condor que Hergé retrouve sur une des céramiques que l'on a chez nous aussi, mais qui n'est pas du tout de la même époque. Donc, il y a un beau mélange d'éléments de différentes périodes. Donc voici comment elle est présentée en fait encore aujourd'hui, qui est la vitrine que Hergé a connue également. Alors on a voulu savoir, et j'ai trouvé ça assez dingue, c'est qu'on parlait tout le temps, avant que je n'arrive, la momie Raskar Kapak, et je disais mais en fait c'est qui? Parce que c'est quand même dingue, et je trouvais que ça faisait 180 ans que cette momie était là dans notre musée, personne ne savait en somme qui c'était, personne ne s'était intéressé à... Est-ce que c'est vraiment un homme ou une femme? Quel âge? Quelle taille? Et donc, on a fait les prélèvements, les datations. 2018.
Il y avait déjà eu un premier scan qui avait été fait en 98, mais je vais vous montrer que ça ne montre pas les mêmes choses. Donc vous voyez que les CT scans vous montrent avec très très bonne définition les choses, puisqu'on voit encore les poumons qui sont effondrés, ainsi que les vaisseaux supra-aortiques qui sont totalement conservés. Vous voyez que du point de vue abdominal, il n'y a plus rien, mais les organes supérieurs, notamment thoraciques, sont parfaitement visibles, même si dans une version, si je puis dire, lyophilisée, type soupe Rocco. Ce qui est intéressant pour nous, parce qu'on voit parfaitement ces éléments, et ça nous permet aussi d'avoir un diagnostic sur l'état de santé de l'individu. Donc, pour vous montrer une comparaison, le scan en 98, et vous voyez ce qu'on a aujourd'hui en 2018, et la qualité de l'image que l'on obtient aujourd'hui nous permet aussi d'avoir une nouvelle réinterprétation sur certaines données, puisqu'elles n'étaient pas lisibles à l'époque en 98. Donc, vous avez les petites flèches, donc vous voyez le cœur, le péricarde, les poumons et la plèvre qui sont parfaitement visibles, et on peut faire des analyses supplémentaires sur ces éléments. Vous voyez aussi tout ce qui est à droite, le réseau des nerfs qui se trouve dans la colonne vertébrale. Et on voit qu'ils sont, ils sont en bon état, si ce n'est dans le bas. Alors bon, c'est un homme, ça, on l'a vu, parce que pour finir, ben, votre pénis va rétrécir aussi, hein, désolé, mais il sera aussi lyophilisé, et donc il n'était pas perceptible parce que la position des jambes ne permettait pas de le voir, mais le CT scan a permis de voir voilà, son attribut. Et vous voyez ici la comparaison entre le scan de 1998 et celui de 2018. Or, ce qui avait été interprété... Alors, je vais tenter de... Ça marche, si on voit la flèche ? La petite main. Ici, on voyait qu'il y a une sorte de pont osseux, et donc ça avait été interprété à l'époque par le médecin qui avait fait le scan comme étant une arthrose sévère de la hanche. Or, 20 ans plus tard, on a refait un scan. Et ce qui se passe, c'est une particularité, c'est qu'il n'a pas 5 vertèbres lombaires, mais 6. Donc c'est une particularité génétique. Et qu'en fait, il a une hémisacralisation, c'est-à-dire qu'il y a une des ailes de la vertèbre qui vient se minéraliser, en somme, avec une vertèbre du sacrum. Donc les nouvelles images permettent aussi une vision différenciée de ce que c'était. Et ça nous a permis de voir effectivement qu'il avait 6 vertèbres lombaires. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a fait du coup une étude, si je puis dire, anthropologique sur place, et environ 15% des populations indigènes de cette région ont effectivement 6 vertèbres lombaires. Donc, ce sont peut-être tous les enfants de Raskar Kapak. En fait, ce que l'on pense le plus probable, c'est qu'en fait, ils buvaient de l'eau, forcément localement. Or, cette eau est particulièrement arseniée, et provoque des mutations génétiques qui est peut-être à l'origine de cette mutation et la présence d'une vertèbre surnuméraire. Alors, heureusement, on avait aussi des céramiques qui nous a permis de donner un contexte archéologique des différents vases, mais là-dessus, je vais passer assez. Il me reste combien de temps ? Ça, c'est une bonne question. Donc, heureusement, il y avait du matériel archéologique, mais bon, 5 minutes. Parfait. Donc les céramiques n'étaient pas tellement typiques, si ce n'est les petits vases associés donc à gauche, qui sont des petits vases à onguents, qui étaient plutôt typiques de la région du nord du Chili actuel, qui nous a permis de nous aiguiller au bon endroit. Et puis, vous aviez aussi des petits éléments de harpon, comme vous avez en dessous, un petit carquois avec des éléments de harpon double, enfin, qui sont en deux parties, c'est-à-dire que la partie harpon va se ficher dans l'animal et vous récupérez la hampe, en quelque sorte. Et au-dessus, vous avez des éléments miniatures qui sont des représentations de radeaux et la petite pagaie qui va avec, qui était mise dans la sépulture de Raskar Kapak, enfin, de AM5939. Donc, vous voyez les éléments de comparaison au Chili. On a retrouvé, pour finir, l'origine d'où il venait réellement, donc d'un cimetière qui se trouve à l'emplacement qu'on appelle Playa Miller, qui est un site qui a été pillé largement et dont on a retrouvé un écrit d'un ambassadeur belge dans la région qui dit que chacun se sert allègrement dans ce cimetière en prenant tout. Et donc, notre momie vient effectivement de cette région-là. Donc, pour vous dire que Raskar Kapak, malgré ce que Hergé a dit, ce n'est pas un empereur,
Il n'est pas l'époque Inca, mais c'était un chasseur d'otaries. Donc il faut savoir que dans cette région du Pacifique, il y a énormément d'otaries. Et donc, avec sa petite pirogue, ils allaient encercler des plages et tuer ces otaries qui fournissaient les os, la graisse et la viande, et qui étaient donc un des éléments importants d'alimentation sur place. Et donc, il avait environ 1,53 m, ce qui est dans la norme de la taille. Tout le monde dit 1,53 m, c'est minuscule. C'est la norme encore aujourd'hui dans les populations vraiment indigènes. Et qu'il est mort dans le début de la quarantaine. Je voudrais terminer juste, comme ça on me laisse, pour des imageries, puisqu'on a fait un accord avec l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles pour faire des scans. On l'a fait aussi pour des céramiques, pour voir la manière dont cela pouvait nous aider pour voir les modeler. Donc je vous montre ici aussi l'évolution de ces CT scans et de radiographie, puisque vous avez une première radiographie en 84, un CT scan 2011, et vous avez le dernier micro CT scan qu'on a fait en 2022, où on approche de plus en plus au micromètre, et qui nous permettent de voir la manière dont ces anses goulots, notamment, ont été réalisées, où on voit les gestes véritablement du potier. Donc ici, notamment, pour mettre la anse goulot, il faut venir avec des petites tiges pour la maintenir, et on voit les tracés de ces tiges dans cette anse goulot. Et puis on s'est amusé, si je puis dire, aussi à faire ça dans des instruments de musique ici Maya, ce qui nous a permis de les répliquer, d'en faire des modèles de 3D, enfin des impressions 3D, et de pouvoir les jouer, et de pouvoir comprendre en fait comment le son, l'air circulait à l'intérieur de ces flûtes, puisqu'on ne comprenait pas très bien si ce qu'on voyait de l'extérieur était aussi à l'intérieur, est-ce qu'on voyait toujours ces chambres-là, et quelle était l'importance de ces chambres dans la constitution de la musique. Voilà, donc ça c'est le modèle qu'on a refait. Et le dernier petit modèle qui est une flûte double Maya, qui est très particulière, avec deux tubes que l'on ne voit pas à l'extérieur, mais qui permettent une vibration à l'intérieur de la flûte, qui donne en somme un ton et un demi-ton en même temps lorsque vous soufflez dans cette flûte. Voilà, ça c'est tous les remerciements de tous ceux qui ont financé, et voilà. Et si vous avez des questions. Bravo, tout d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge, pour cette présentation qui nous fait, elle aussi, voyager. On revient un petit peu aux sources des rencontres, hein, puisque de l'archéologie, grâce à la technologie, on apprend plein de choses. J'ai peut-être raté un petit passage de ta présentation. Cette personne a vécu quand Tu n'as rien raté parce que je ne l'ai pas dit. C'était indiqué dans les tableaux sur lesquels je suis passé. Il est probablement de la fin du 15e siècle. D'accord. Donc les dates carbone 14 que nous obtenons sont entre 1440 et 1480, quelque chose comme ça. Voilà. J'ai une petite question. Comme d'habitude, je pose la première, hein, parce que c'est moi qui ai le micro, donc je fais ce que je veux. Non. Et après, donc, ça sera à vous. Non, ça me fait penser à une grotte ornée du paléolithique supérieur, qui est un petit peu ma période de prédilection, Cussac, en Dordogne, dans laquelle il y a des dépôts funéraires qui sont des dépôts funéraires dont on sait qu'ils ont été secondaires, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'emplacement où les corps ont été déposés après leur décès, avec une hypothèse qui est qu'ils aient pu être à l'époque, bon, là on parle de 33 000 ans quand même, transportés déjà dans, et je crois qu'un des préhistoriens avec qui j'ai discuté m'a employé le terme d'outre ou de sac funéraire. Bon, du coup, ça m'a fait un petit peu penser à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une possibilité que ces sacs aient servi à transporter ces corps après le décès de ces personnes et la préparation, ou ils étaient inhumés? En fait, ça dépend des époques. À l'époque Paracas, par exemple, on a des corps les plus fameux sont emballés dans leur propre textile de leur vivant, et on a parfois jusqu'à 16 couches de textile. Donc, ce qui montre aussi, c'est une manière de montrer, regardez, qui est mort, en somme, l'importance de cette personne. La plupart n'ont que deux textiles, donc une première, une gaze qui les emballe, et puis un deuxième textile qui est souvent leur vêtement qui va être cousu pour emballer totalement. Ce qui est intéressant dans un des cas, c'est qu'on a des dates carbone 14. On a daté les différents textiles, et les deux premiers textiles, en somme, il en a trois, les deux premiers textiles datent de, on va dire, je ne me rappelle plus exactement, de 1400, et la deuxième, le dernier textile, date de 1530.
Donc on se dit, est-ce qu'on a un problème dans la datation? On a refait les datations, on obtient la même chose. Or, il se fait que les personnages importants étaient mis en cimetière, mais on venait les rechercher parfois lors de certaines fêtes, parce qu'en fait, la mort n'était pas une fin en soi, et ils continuaient à vivre, même s'ils ne bougeaient plus, en somme. Et donc, à ces occasions-là, parfois, on remettait une couche de textile. Et donc, c'est probablement ce qui s'est passé avec ce corps-là.